Bienvenue dans ce nouveau vlog à Dakar. Donc ce vlog consiste en la continuité de mes recherches d'appartements et visites, mais aussi beaucoup de sessions de travail, seules ou avec la team. Je vous laisse donc voir ça. Hey guys, j'espère que vous allez bien, ça va pas, recevez ma joie, je vous en ai vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouveau vlog, nouvelle journée à Dakar. J'ai réunion avec les filles de l'équipe de l'agence. Donc voilà, on va faire notre réunion, toujours dans notre spot favori à Dakar, à savoir le Elite Coffee. C'est un café qui est trop bon. Il est accessible pour tout le monde et tout, donc c'est top. Enfin, il est accessible, je veux dire, en termes de transport. On a fait un tutoriel sur Mariama. On dirait que c'est comme si tu présentais. J'espère que vous allez bien, donc de retour. Alors, belle journée, j'ai réussi deux objectifs, enfin deux tâches importantes, deux priorités sur trois. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes samedi, donc pour aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. J'ai une strat à faire, j'ai des messages auxquels je dois répondre, des mails aussi. Okay guys, alors là, je me dépêche pour le live. Je viens d'arriver. Tac. Rachel, hello. Comment ça va? Hello, ça va super bien et toi, Mélissa? Ça va nickel. Les gens sont impatientés, je commence à recevoir des menaces, mais où est Rachel? Donc, tu es parmi nous, toute souriante. Ça va très bien. Prête à subir une heure d'interrogatoire. Allez, c'est parti, je me plie pour régler. Alors Rachel, je vais commencer avec la première question vraiment basique que je pose à tous les lives. Okay. Donc,
là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger. Là, je suis en train de répondre. Là, je suis en train de répondre à des messages WhatsApp. Nothing new. Et tous les jours, WhatsApp, tous les jours. Tous les jours, toutes les heures, WhatsApp. But for work, you know. So, yeah. I'm going to eat. Je vais manger et puis je pense que... Je sais pas si je vais assez travailler ici. Parce que de toute façon, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de bureau pour l'instant. Enfin, j'ai pas de table quoi pour l'instant. Parce que je devais soit passer une commande chez le menuisier, soit prendre une autre table. Sauf que en fait, les tables qu'il y a dans les boutiques de proximité sont pas à mon goût. Et la seule table que j'ai aimée, là maintenant, elle est loin en fait. Enfin, faut que je me déplace pour aller la prendre. Et je suis moins dans l'urgence entre guillemets. Donc je pense que je vais peut-être aller travailler dehors. Enfin, travailler dans un café ou quoi ce soir. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je parlais vite parce que j'ai pas fait un film. Et là, je suis de retour à la Deliciosa. Ce qui est bien avec la Deliciosa, c'est qu'en fait, ils sont ouverts jusqu'au tard. Donc du coup, je vais finir ma session de travail. Pour aujourd'hui, j'ai encore des tâches pour cette journée que je dois faire. Donc voilà, regardez ma grosse boule de glace, franchement. On m'a jamais servi une aussi grosse boule de glace de ma vie, carrément tellement ça déborde. C'est emballé. Donc bref. We here. We work. Hey guys, j'espère que vous allez bien, si ça va pas, recevez ma joie, je vous en ai vraiment plein de joie. Une nouvelle journée à Dakar, donc là nous sommes lundi matin, vraiment comme un bon lundi matin. Là il est 8h, aujourd'hui je ne me suis pas réveillée hyper tôt parce que samedi soir j'avais dormi à genre 4h du matin, 5h, non pas 5h, j'ai dormi à genre 4h du matin et j'ai pas pu faire de sieste hier, donc je me suis laissée dormir comme il fallait et là... Et je vais aller courir, donc voilà, j'ai mis ma veste de sport et là, bah, j'y vais. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis rentrée de mon running. Ensuite, j'ai pris une douche. Et devinez quoi, quand j'ai voulu prendre ma douche, l'eau n'est pas sortie, c'est-à-dire, j'ouvre, l'eau ne sort pas. Et franchement, dans ces moments-là, heureusement que en gros il y avait bah, la douche en elle-même et le robinet, un robinet d'eau, donc du coup j'ai pu remplir un seau et tout, mais quelle panique. Et là bah, je vais partir aller bosser. Je suis... là il est 11h19. Et je suis venue comme ça, je vais manger à midi parce que je ne peux pas aller directement à l'école parce que sinon je n'aurai pas le temps de manger. Et j'aime pas trop le choix qu'il y a là en temps de voiture. Donc du coup, je vais manger ici et ensuite je vais à l'école. Il y a Mariama, donc, qui fait partie de l'équipe de la société de communication, qui fait le montage vidéo, qui est monteuse vidéo, qui va me rejoindre tout à l'heure. Donc je suis dans ce café, salon de thé, restaurant.
et j'ai oublié mon trépied, donc mon poivrier va servir de trépied. J'espère que je vais pas le jour. Pour le coup, je suis sortie avec ma veste aujourd'hui et il fait vraiment un peu frais. Enfin, il y a beaucoup de vent. Donc, c'est pas si chaud aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Good morning. Donc aujourd'hui, on est vendredi, une journée assez cool. Donc là, ce matin, j'ai deux visites à faire. Donc une visite d'appartement et une visite de salle pour un événement qui va être organisé ici à Dakar. Donc du coup, trop hâte. Et après l'après-midi, j'ai une session de travail avec les filles de l'équipe, toujours à Elite Coffee. en attendant d'avoir des sources de coworking. Donc du coup voilà pour la journée. Donc là je suis en route pour la première visite qui est à 10h30. Franchement je crois que l'Afrique c'est la seule région du monde où quand tu es en retard tu n'es pas totalement en stress. Parce que tu sais que la personne aussi elle va pas forcément être à l'heure. Bref, là je ne sais pas trop mon Yango il fait quoi, je suis dans un Yango. Il s'est stationné, il m'a dit de l'excuser une minute, donc bon, du coup j'attends. Et voilà. Et là je suis deck parce qu'en fait, si vous voulez, j'allais sortir plus tôt, donc il y a une heure. Et en fait, du coup, on m'a confirmé un horaire de visite, soit 10h30. Donc du coup, je ne suis pas sortie de chez moi parce que de base, je voulais d'abord aller bosser, enfin arriver plus tôt à Elite ou me poser quelque part pour bosser. Et du coup, voilà, la première visite, on va dire, d'appartement n'était pas forcément programmée, planifiée. Du coup, la visite de la salle, c'est parce que c'est dans la même zone, donc ça m'arrange. Donc du coup en fait la visite là littéralement j'ai eu la confirmation il y a 45 minutes et je suis en route. Donc du coup voilà, ce que je voulais dire c'est que je devais sortir avec des cadeaux pour les filles de l'équipe parce qu'il y en a qui étaient absentes lors de notre toute première session. J'aurais fait des sacs cadeaux avec des cadeaux très intentionnels, très avec une signification. Et donc là en fait en sortant pour la deuxième fois je l'ai oublié, j'ai oublié le sac. Mais bon c'est pas grave, je suis en route et j'espère que je vais arriver quand même à l'heure hein. Devinez quoi. Alors je vais changer de destination parce qu'on vient d'annuler, on vient de me donner une autre heure. Je vais toujours dans le secteur de Wakam mais au Almadie. Almadie. Oui, hôtel l'adresse. Tu pars, mais tu vas faire une autre seconde demeure. Là, tu vas augmenter une autre seconde destination. Mais là, tu ne peux pas annuler ça parce que c'est déjà le coup et déjà pas. Tu vas ajouter une autre destination. Il faut voir ta l'application. Pour que tu recherches là, c'est fini. Donc, je suis. Cet hôtel qui a un magnifique hall pour visiter leur salle de conférence. Donc voilà comment se présente la salle. Les chaises sont comme ça, il y a une télé, un projecteur. Là, on va voir le restaurant. Zik FM Dakar, c'est de la musique et de l'information partout et pour vous. Dans un instant, le journal.
s'il y en a un. Donc là, première visite dans la zone de Wakam. Donc Wakam, c'est le quartier où il y a le monument de la Renaissance. Je pense qu'on connaît tous à Dakar, pour vous donner un repère. Donc voilà, l'immeuble est encore en travaux et l'appartement en finition. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'affaires de travaux. Donc il était plutôt intéressant et du coup, ça allait être un appartement tout neuf. C'était un deux chambres salon. Et voilà, il était bien, mais je ne l'ai pas forcément retenu parce que l'emplacement ne m'arrangeait pas vraiment. C'était trop loin des routes principales, enfin d'une route principale. Donc du coup, voilà, je n'ai pas forcément retenu, mais je vous laisse avec les images. Ok. Eh, il faut être grand, hein. Ça c'est quoi, la cuisine? Oui, ça c'est la cuisine. Là c'est la table du visiteur. Hein. Ok, ok. Tu peux passer? Ah, j'ai peur, hein. Passe pas là. Ah, ah. Vas-y. Donne-moi la main. Merci. Ok, on va se dire. Ok. Là, c'est la cuisine. Ok. Et ça sera fini quand? Bon, au plus tard, le 5. Hein. Le 5? Oui. Au plus tard. Avant même qu'on le garde. Ça va rester. Ok. Là, vous voyez les légumes sont comme ça. Là, c'est le balcon, vous voyez. Ok. Si c'est fini, c'est luxe, sans souci. Ok. Ok, ok, ok. Vous voyez, c'est bien ventilé. Il y a de l'air. Oui, il y a l'air. Ok. Oui, c'est bien. Ça, c'est des autres que vous avez aussi. Là, c'est déjà pris. Là, c'est déjà pris. Ça reste, ça, il vous reste. C'est ça. Le sel. Oui. C'est le sel qui reste. Et il y a quelqu'un qui doit visiter ça le soir. Le soir aussi. Pour monter, voir le terrain. Et puis ici, il y a de l'eau. Il y a des réservoirs, il y a de l'eau. C'est une très grande terrasse. Mm-hmm. Ici. Vous avez quelqu'un qui vient voir un petit. La tasse est tout petite, ouais. Ok, ok. Deuxième visite dans la zone de Wakam, cette fois-ci quand même un peu plus près d'une grande route principale et mieux située, je trouve. Donc cet appartement, c'était vraiment un coup de cœur. Donc je vous laisse avec les différentes images. Cette navette là, parce que dès qu'on ouvre l'eau coule, ok, ça va être changé, hein. Ouais, ça va être changé le mécanisme.
La toilette, elle est changée ou bien c'est juste non, celle non, d'avant? Non, la toilette, non. Non, c'est juste le mécanisme. Ça, ça marche, mais... Ah, ça marche, ok. On va s'arrêter, quoi. Oui, oui. Ok, ok, ok. Let's go, hein. Il y a quel âge? Je n'ai pas pu faire la deuxième, la troisième musique parce que la personne était trop en retard et quand j'ai eu rendez-vous avec les filles. Waouh! Oui, brioche dorée. J'ai pas pu faire la musique avec les filles parce que j'avais rendez-vous avec les filles, donc du coup, la personne était trop en retard. J'ai annulé. Donc là, je suis presque arrivée. Hey guys, donc là, attendez, laissez-moi trouver un endroit. Okay. Hey guys, donc là, je suis dans le magasin Orca. Donc on m'a parlé de ce magasin pour tout ce qui était déco et tout. Donc il y a plusieurs étages. Et là, je regarde tout, mais il y a plein de trucs. C'est pas que les trucs de la maison. Il y a vraiment plein de trucs. Mais c'est cool. J'ai fini par découvrir les différents magasins d'ameublement qu'il y avait à Dakar. Là, je suis dans le magasin Discover et vraiment gros coup de cœur. Franchement, ça donne envie de déménager. Ça donne envie de décorer un appartement entier. Donc voilà, un peu les images. Et puis, c'est tout d'ailleurs pour ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.